Waouh! 100 abonnés! Vous êtes 100 abonnés à ma chaîne YouTube! Grand merci! Pour rien vous cacher, j'avais déjà 100 abonnés à un moment, mais il y a eu des désabonnements. Je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai de nouveau 100. Et même, on a dépassé. J'ai 101 abonnés. Ça y est, c'est un cap sur cette chaîne-là. 3 ans que cette chaîne est en activité, parce qu'elle existe depuis environ 6 ans. Et enfin, j'atteins les 100 abonnés officiellement. Cette fois-ci, il y en a 100, ça va pas baisser. Peut-être que si, mais bon, voilà. Et maintenant, je suis là vraiment pour vous remercier et ensuite vous dire ce qui va se passer prochainement sur la chaîne. À partir du moment où vous regardez la vidéo, vous aurez 2 vidéos par semaine jusqu'en janvier 2019. Donc, résultat, vous aurez le mercredi et le samedi. Tous les mercredis, il y a un autocritique. Et tous les samedis, il y a n'importe quelle émission qui va donc combler tous les samedis. Et ensuite, quand Doctor Who Critique sera fini, il y aura toujours 2 vidéos donc par semaine, mais à la place, ce sera plus de Doctor Who Critique, ça veut dire qu'il y aura 2 émissions qui vont partager la même semaine, donc mercredi et samedi. Et ensuite, à partir du mois de janvier jusqu'en juin 2019, vous aurez une vidéo par semaine, donc là on baisse de 2 à 1, mais à n'importe quel jour, ça peut être du lundi ou dimanche. On sait pas, mais c'est n'importe quel jour et c'est une vidéo par semaine, c'est premier juré. Et ensuite, pendant entre juin et septembre, vous aurez une vidéo par mois seulement, parce que ça va être un peu plus compliqué vu que il va y avoir les vacances de Bruno qui seront là cet été. Et en plus, je vais me faire une sorte de pause, mais je vais pas vous laisser sans vidéo. Donc ça, il y aura une vidéo par semaine, enfin non, il y aura une vidéo par mois en juin, juillet et août. Ensuite, en septembre, on reprend le rythme d'une vidéo par semaine à n'importe quel jour de la semaine. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, un petit cadeau, c'est que à partir du 15 décembre, notez bien, le samedi 15 décembre, premier épisode de Vlog Critique saison 4, et à partir du 15 décembre, vous aurez un Vlog Critique toutes les 2 semaines. Ça veut dire que il y aura le samedi 19 et le samedi 29 décembre, vous aurez un épisode de Vlog Critique. Enfin, un épisode là et un épisode là. Ce qui vous fait carrément 2 samedis où il y aura 2 Vlog Critiques. Ensuite, le reste, je vais combler. Et ensuite, à partir de janvier, vous aurez toujours un Vlog Critique une semaine sur 2. Donc, à partir de janvier, la première semaine, ce sera une vidéo normale. Ensuite, donc un stop now, YouTube critique, tout ça. Et ensuite un vlog critique. Ensuite une vidéo normale. Et ensuite un vlog critique. Donc ça, en un mois. En un mois, vous avez 4 semaines. Donc vidéo, n'importe quelle vidéo. Vlog critique, n'importe quelle vidéo. Et un vlog critique. C'est comme ça que ça va se passer à partir de maintenant. Voilà. Maintenant, on passe donc à la troisième étape de cette vidéo. C'est évidemment les futurs projets et les futures émissions qui vont arriver. Si vous suivez ma chaîne Bonovlog, vous savez qu'il y a des review break là, enfin je fais des vidéos réactions face à des bandes annonces de films qui m'intéressent à l'avenir. Et évidemment, je pense que cette émission n'a pas sa place sur Bonovlog, et donc je vais déplacer cette émission sur cette chaîne là. Évidemment, je vais pas reuploader ce que j'ai déjà fait, c'est fait, je vais pas les reuploader. Mais les review break recommenceront de zéro et arriveront ici sur cette chaîne. Ensuite, une petite émission qui va s'appeler Bruno et Teddy Show. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est une émission totalement décalée, totalement délirante, avec beaucoup d'humour noir et même de blagues de cube. Vraiment, vraiment beaucoup d'humour noir. Et en fait, donc, j'ai vraiment montré ce concept à quelques amis à moi. Et vraiment, c'est moi, en fait, donc, avec un peluche qui s'appelle Teddy, et que je vais faire parler, mais en voix off. Ça veut dire, en fait, si vous voulez, je vais enregistrer sa voix en voix off pour faire genre comme s'il parlait. Et donc, vous vous rappelez, les Stop Now. Les Stop Now, c'est fait pour réagir à des sujets d'actualité. D'ailleurs, il va y avoir une nouvelle formule de Stop Now, parce que il y avait toujours un sujet par vidéo, ce qui est complètement con, parce que soit la vidéo dure pas assez longtemps, soit c'est beaucoup trop long pour pas grand-chose. Donc, résultat, vous aurez... Donc, à partir de maintenant, vous allez avoir des nouveaux épisodes de Stop Now, réduit donc à 10 minutes grand maximum, et à l'intérieur je pourrais traiter entre 3, 4 ou 5 sujets d'actualité, voire plus, mais tout ça en 10 minutes maximum, pas plus. Voilà, donc voilà, vraiment moins de 10, ça c'est sûr, certains, pour éviter que ça soit trop long. Donc en tout cas, vous aurez dans les prochaines vidéos des Stop Now, nouvelle formule, une série qui va s'appeler Bruno et Teddy Show. C'est vraiment, donc ce que je viens de vous dire, donc sur cette émission on va traiter des sujets d'actualité. Donc moi, je vais traiter des sujets d'actualité avec mon peluche qui s'appelle Teddy et que je vais faire parler en voix off. Mais comparé au Stop Now où je parle
de ces actualités où je donne mon avis sur ces actualités. Là, vraiment, ça va être vraiment une émission très décalée et humour noir. Ou quand, par exemple, il y a une actualité qui n'a aucun sens, qui est complètement con. Genre, par exemple, imaginez par exemple que je parle du reboot de Shrek. Eh bien, sur l'émission Bruno et Teddy Show, on peut parler du reboot en disant de la merde. Genre, par exemple, je sais pas, déjà, sur un stand-up que vous allez voir bientôt, je donne mon avis sur ce reboot. Eh bien là, on pourrait faire pareil. Enfin, je pourrais faire pareil avec ce peluche, mais en traitant cette actualité avec beaucoup d'humour noir, vraiment, et de l'humour au second degré, voire même vraiment. Donc résultat, c'est vraiment un épisode de Stop Now remasterisé avec un peluche en featuring et en plus très court, hein. Donc ça va durer peut-être, mais en tout cas ça durera moins de 5 minutes. 5 minutes, pas plus. Donc toi, ça peut durer 2 minutes, comme 3 minutes, comme 4 minutes, mais 5. 5 grand maximum. Donc les Stop Now nouvelle version auront 10 minutes de durée maximum. Et cette nouvelle émission qui arrivera très bientôt, elle aussi aura sa durée maximale. Ensuite, ce qui va se passer, il y a les youtubeurs critiques qui vont revenir. Bon là, je reste à la formule. Donc Tobo critique, ça dépend s'il y a une nouvelle saison de Tobo qui sort. Donc résultat, cette série n'est pas prévoyante. Donc résultat, je peux pas prévoir. Et les Stop Now, donc nouvelle formule. Ensuite, après faire revenir les review breaks sur cette chaîne et mettre les Stop Now nouvelle génération et mettre une série qui s'appelle Bruno et Teddy Show. Ce n'est pas la seule émission qui va faire son apparition. Il y a une émission que j'ai appelée Ma Quotidienne qui est sortie sur mes autres chaînes. Et je vais re-uploader le premier épisode sur cette chaîne-là. Et ensuite, ce sera une émission qui n'aura pas de date. Hein, donc c'est vraiment des épisodes assez gros à faire. Parce que ça dure 2 à 3 minutes, c'est très condensé. Le montage est très rapide, c'est en speed cut. Et résultat, je dois faire plusieurs plans. Et ensuite, il y a un texte à faire. Donc résultat, cette écriture est beaucoup plus compliquée. Donc là, vous allez avoir le premier épisode très bientôt. Et ensuite, le deuxième épisode beaucoup plus tard. Parce que ça devient un peu compliqué. Donc voilà, donc résultat. En ce moment, donc, vous avez les vlogs critiques, YouTube critiques et Stop Now. Donc les émissions qui sont en train de continuer en ce moment. Je vais rajouter les review breaks. Je vais rajouter Ma Quotidienne, le Bruno et Teddy Show. Voilà, ça ce sont les nouvelles émissions qui vont arriver sur la chaîne avec ceux qui sont déjà là. Donc résultat, vu qu'il y aura Tonton Critique qui va partir bientôt en décembre, il y a d'autres émissions qui vont pointer le bout de leur nez. Voilà, ça va se passer comme ça. Donc on récapitule, donc vous avez Tonton Critique jusqu'en décembre, après ce sera fini. Ensuite vous aurez que des vlogs critiques, des youtubeurs critiques et des Stop Now, mais je vais rajouter des radio breaks, la nouvelle émission donc Ma Quotidienne et la nouvelle émission encore Bruno et Teddy Show. Voilà comment ça va se passer et ce qu'il y aura sur cette chaîne, ce sont les futures vidéos. Et maintenant voilà, vous avez une vidéo par semaine à partir de janvier, vous avez deux vidéos par semaine donc jusqu'en janvier, et ensuite c'est une vidéo par semaine à n'importe quel jour, etc. Bref, vous avez compris. Voilà, en tout cas je suis vraiment content que vous soyez 100 abonnés. J'ai hâte de vous montrer vraiment Bruno et Teddy, parce que j'ai déjà commencé à faire quelques exemples que j'ai montré à des amis, et vraiment, enfin au début en fait c'était simple, c'était moi qui imitais Teddy, et qu'en fait donc je me filmais à moi, ensuite je filmais lui en train de parler. C'était assez dynamique, mais c'était pas vraiment top encore une fois. Mais je voudrais vraiment que, en fait, on voit lui et moi dans le même plan, en fait. Donc voilà, donc à partir de maintenant, vous aurez tout ça. J'espère que les futures vidéos vous plairont et que vous accepterez donc ce nouveau contenu. Résultat, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo autour de vous. Parce que là, ça va être vraiment... L'année prochaine va être totalement chaud. Vraiment, j'ai hâte de vous montrer tous ces projets. Et Vlog Critique saison 4 qui va bientôt arriver. J'espère que ça vous plaira. Ça va être une saison assez particulière, mais j'espère que ça va vous plaire vraiment. Voilà. Bref, à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao !